B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure. It's fun. And I get free hamburgers, too. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Page 9. Exercise 4. Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure. It's fun. And I get free hamburgers, too. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Page 9. Exercise 4. Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure. It's fun. And I get free hamburgers, too. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Page 9. Exercise 4. Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? Hi, class. How are you doing? Bienvenue, bienvenue. Okay, you welcome. Welcome to Mar Branch on the Air.
Okay, as you have already known, when it is 8 o'clock, it's an English class where you are sitting down in your house and learning English with Malebranche on the air, okay? Nous remercions le fait que vous êtes déjà là. Moi salue tout le monde, moi salue nos petits messieurs, moi salue ou même qui choisit suivre Malebranche on the air dans les parce qu'on est depuis 8h-9h. C'est un bel rendez-vous à ne pas rater. Un bel coup anglais en direct, ok? Son pape dépend son goût de chute à la caillou. Wap apprendre anglais, ok? Merci de ce qu'on est déjà là. On connaît before starting, avant même nous commencer avec exercice ça. N'a pas de pour partager, hein? Dans mes web, chaque beau tête, moun qui monte dans la live là, gagne un share, ok? Reginald, semble là. Bien que vous 2-3 minutes ou paraître, ok? Alright. Moi salue tout le monde qui est déjà présent. Pas oublier hier, yeah, nous t'ai fait. Okay, all right. How are you doing, Tisha? You fine? Okay, you welcome, my friend. You are in your English class. Ou nan class ou, okay? Ou met partager à faire ou, parce que ou nan class ou. Okay, moi, Jude qui déjà monté, Marc Philo, etc. Nico, okay? All right, let's share life today. Remember that yesterday I talked about articles. Nous t'ai parlé de articles définis et indéfinis. C'était un très bel coup, bien que gagne un pile monde qui pat là hier, mais c'est un vraiment bel coup. Malgré ça, on va le comprendre parce que nous va faire un bel exercice qui a rapport avec articles en anglais, OK? Remember there are two articles in English, gagne deux articles en anglais. Nous gagne de, ok? Nous gagnons de comme ça, ok? Bien que nous t'ai parlé de yo déjà, ok? Nous gagnons de qui c'est article défini, et puis nous gagnons a et in, alright? Et in, nous t'ai parlé de trois articles ça yo en anglais, comment yo utiliser yo en anglais, ou pas qu'à utiliser yo j'en vle, ok? C'est ça que fait nous venir avec 15 numéros dans yo exercice. Qui pourra le permettre de comprendre plus bien encore comment yo utiliser les articles en anglais. Ok? Article c'est de, et puis in. Alright? Et puis in. Nous pourra le garder bien et nous pourra aider à résoudre l'exercice là sans problème. L'homme sage, bienvenue. Hein? Ok? Nous pourra aider à partager là. Et puis, nous prenons le résoudre exercice ensemble. Fais un petit coup d'œil, fais un petit coup d'œil pour exercice ça, ok? Exercises with the articles. Exercice ça, à le faire avec article ça, de, et puis in, ok? De, et puis in. Nous prenons le remplacer dans l'espace vide ça, article qui convient. Ça veut dire un article qui est correct là, ok? Get ready. I'm here. Look at the board carefully. Gardez tableau avec un pile soin. M'bon petit temps pour garder. Dans une minute, gardez tableau bien. Gardez exercice là. Parce que t'as l'ombre à l'aider me résoudre lui. Pendant que vous voyez exercice moi. Oh, my student. How are you doing, Schmid? Schmid, how are you doing? Oh, it's been a long time. You okay? All right, good. Let's take a break and look at the board carefully. And after that, I'm coming back rapidly to solve the exercises. We're gonna solve it together, okay? Thank you for following the class. Merci le fait que vous suivez la classe là. On garde les exercices yo pendant que m'a tourné rapide pour nous résoudre ensemble. Préparez-vous pour des commentaires pour aider me résoudre yon après l'autre. Merci le fait que vous déjà là. On va continuer ensemble, hein? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure, it's fun. And I get free hamburgers too.
2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Page 9. Exercise 4. Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Jason do exactly? How does he like his job? What do you do exactly? Do you make hamburgers? No, I don't. I just take orders. And what's it like there? Do you like your job? Sure. It's fun. And I get free hamburgers, too. Unit 2. How do you spend your day? Page 9. Exercise 4. Okay, are you ready, class? Are you ready? Est-ce que nous prêts? Est-ce que nous prêts pour nous partir avec exercice là? Hein? Songez hier, nous te baou des précisions. Comment utiliser les articles définis et indéfinis en anglais? Ok? Nous te expliquer très 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 bien d'une façon pour pas gagner pièce problème en utilisant les articles définis et indéfini en anglais, ok? M'passons déjà prêt. Nous prenons le parti avec exercice ensemble. Hein? Préparez-vous pour aider me résoudre exercice là. Sans pièce problème, voyez résultat bon moins, ok? Pas oublier, hier, nous t'expliquons que utiliser de, c'est comme article défini. C'est là de ça m'a parlé, moi connais. For example, nous avons une différence entre, par exemple, the cat, ok? De bon exemple entre the cat and a cat, un simple exemple, ok? De bon exemple qui très simple, regardez, m'a faut tirer fise tout petit pour même qui pat là, ok? Dis par exemple, m'gen deux articles là, pas vrai? M'gen de et puis a. De qui signifie le, la, le et l'apostrophe, et puis m'gen a, ok, qui signifie une, etc. Alright? Néan, bon, un petit simple exemple. Di, par exemple, de cat. Di, si m'utilise de devant cat, c'est que cat, chat ça, son chat, si m'a parlé avec ou de li, nous tous les deux connaît, ok? Parce que di m'a utilisé, le m'a parlé de noun, noun, ok? Le m'a parlé de noun, mais yo di, noun n'a capable yon chose, ok? You know? Et you place, you endroit, pas vrai glace, you endroit, ok? Là, on vient l'amour cat, qui c'est un animal, par exemple, on dit the cat. Si on dit the cat, c'est que chat m'a parlé de lui avec ou là, nous deux, nous connaît chat là, ok? Parce que n'a pu utiliser for talking about something specific, pour nous parler de choses spécifiques, ok? On dit qu'il est n'a pu utiliser. Ah, par exemple, pour me dire a cat, si me dit a cat, that means, ça veut dire, chat m'a parlé de lui, hein, son chat quelconque, ok? Son chat quelconque, m'a pas spécifié, m'a pas dit de qui chat exactement, mais m'a parlé de yon chat, ok? M'a pas eu l'autre exemple. Let me erase it. M'a pas eu l'autre exemple, for example, ok? M'a dit de skate, ou bien me dit a skate, ça c'est juste mesdames, yon, hein? Ou bien me dit, si me dit de skate, si vous parlez avec l'autre fille, vous parlez de skate, c'est que de j'y vous parlez, ni ou même ni mounan nous connaît, ok? Nous connaît, hein? Là, c'est que gagne spécification. Si me dit a skate, ça veut dire, m'a parlé d'une jupe quelconque, ok? Ça veut dire, n'est pas de jupe là, ok, Glass? Alright, now, I think you are ready for the exercises. M'pense qu'on est prêt pour nous faire exercice ensemble. Ok? Bon, moi, essayer.
Okay, good. Let me explain it to you, okay? Now, class, we have exercises with the articles de, a, n, okay? Nous allons utiliser une là-dedans. Nous pas connaît, pas connaît. C'est vous-même qui pourrez aider jouer un résultat si vous comprenez. Mais m'a expliqué en créole qui pourrez faciliter faire exercice bien rapide, hein? Ok? Qui pourrez faciliter, hein? M'dit m'vle ouais chaque botte moun ya au moins gagner yon cher, ok? En allez classe. I work as, ok? I work as, en allez. I work as, tipre, only English teacher of the school. Tendez bien? I work, m'a utilisé yon article ça, hein? Ok? Suive bien, parce que c'est vous-même qui pouvez voir réponse là-bas, moi, ok? Where is Christine? Oh, I don't know. Where is she? Et bien, m'a pas voir, semble qu'il y a un problème, hein? Si vous ne connaissez pas, vous avez dit. Hey, alright, good. Ok, on allez. Exercise, on allez. I work as, tipre, only English teacher of the school. Tendez bien, m'a traduit pour vous qui pourrait faciliter au fait exercice, hein? Préparez pour voir, bon, moi, dans numéro 1, qui ça qui a là, ok? Là, il dit qui ça? Moi, ap travail comme seul professeur anglais dans l'école, ça. Tendez bien, tendez bien, oui? I work as, tipre, English. Only English teacher of the school. Tendez bien. Moi ap travay comme seul professeur anglais dans l'école ça. OK? Number one class. Number one, what is the correct answer? Hein? Qui est-ce qu'on choisit là? Qui est-ce qu'on choose? Choose, le même choisir. Hein? Qui est-ce qu'on choose là class? Ok, on allez, on allez. Ok, Wilfried dit, Wilfried Signa dit da. Ok, qui est-ce encore? Qui est-ce encore? Marc Philo dit da. Ok, m'attend toujours, hein? On allez, m'attend toujours, hein? Chaque numéro, il y a plusieurs mon affaire, hein? Pour moi, est-ce que tout le monde comprend vraiment? Let's go, class, let's go. On allez, hein? Wilfried Signa dit da. Marc Philo dit da. On allez. On a les classes, let's go. Pas qu'il y a l'autre monde qui a dit encore. On a les. Let's go, classes. Remember, songez que la classe est 8h, 9h du lundi au vendredi. Hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 8h, 9h. On a les classes. Comme moi, pas j'ai l'autre monde qui a fait. Wilfried Signac dit de. Marc Philo dit de. Très bien, ti monsieur, hein, moi aimer ça, hein, ti monsieur, hein? Nous bien comprendre. Maxilo toujours là lui-même la suivre, hein, avec un pile attention, c'est bien ça, hein. Là, qui ça qui rivé? Pour qui ça nous dit c'est deux qui a bon, OK? Suivez-moi bien classe, moi l'expliquer au lit, OK? I work as the only English teacher of the school. All right. Pour qui ça c'est de, nous dit la classe? Nous dit c'est de, parce que, moun kap pale, qui est-ce lié? C'est même moi-même, c'est que m'connais moun kap pale. Et c'est là, hein? Moun kap pale, m'connais, et non seulement m'connais, et puis il dit, the teacher of the school, ça veut dire, li connais dans l'école la travail là. Et c'est là, hein, classe? Hein? Très bien, Christina, oh, you're welcome, oh, maman. Des problèmes parce que je ne peux pas voir Christina, parce que je suis toujours là, hein. Ok, good. Let's continue, de. Christina n'est pas tout avec de. Parce que là, c'est de m'a utilisé. Parce que je dis là, nous utilisons l'article de, hein. C'est que de mon parler, je connais et me spécifie. Là, je dis de qui est-ce qu'on parle là? De professeurs. Professeur, ça, le seul professeur qui l'école là. C'est que son professeur qui me spécifie, qui me connaît. Très bien. Good job. Alright. Hein? Ça dit là, moi, je travaille comme
comme unique professeur anglais dans l'école ça. C'est que l'école ça m'a parlé à là, m'connais, ok? Plus que m'connais, eh bien c'est deux. Oh, very good, alright. Ok, alright, specifically. specifically, good, specifically. Ok, very good, congratulations. Mais on sait quoi passer, parce que y a des gens qui bien suivent et qui comprennent aussi, hein? Très bien. Nous prenons parti pour le numéro 2. Ok, nous prenons parti pour le numéro 2. Ok, qui ça numéro 2 a dit clair dans l'exercice là, hein? De vous comprendre l'article bien. Ou pas bien problème pour faire exercice ça, yeux fermés, hein? Comme étudiant qui a suivi, on allait. Étudiant qui a suivi, après comment il a vu le résultat, bon, moi là, sans aucun problème. On allait. Number two, numéro 2, ok? Joe likes music, ok? Joe likes music. Joe likes music, ok? He plays, instrument. Ok, instrument. Ok, ça yon dim la. Yon dim, Joe son ki reme music. Ok, Joe reme music. He plays tipre instrument. Li joue instrument. Ok, let's go class. Tell me class. Which article do I have to choose? Qui est article m'a choisi la class? Correct, hein? Ça qui correct la. Qui est-ce que je choisis là? Hein? Joe likes music. Joe aime music. He plays tipre instruments. Qui est-ce qui est correct là? Let's go, class. On a l'air, Christian a dit N. Bon, vous connaissez? Hein? Plusieurs moun réagir. Hein? Plusieurs moun réagir sur l'exercice là. Ok. Plusieurs moun. On a l'air, L'autre moun encore, on a l'air sur l'exercice là. On a l'air. Joe reme music. Joe like music. Ok? He plays, il joue, tipre, instrument. On a les classes. Qui est-ce que nous avons répondu toujours? Hmm? Il faut qu'il y ait plusieurs. Ok? Mark dit N. Ok? Ça fait deux N. Je regarde pour moi si pas l'autre monde qui a joué l'autre bagaille. Si pas l'autre monde qui a joué soit deux ou bien A encore. On allait, let's continue class. Yon l'autre étudiant, on allait. Yon l'autre étudiant, bon, yon l'autre, on allait. M'gè Christina qui est en dit elle. Sanon Yvener dit de, ok. On allait, ça fait trois. On allait. Rose Gladi de Mostain dit de, ok. On allait. Bon, yon l'autre moun seulement. Yon seul moun manqué là. On allait. Manko seul grand moun. Hein, manko seul moun. Thank you for the thumbs up. Merci pour thumbs up you. On a le manque un seul moun nan, on a le, qui est-ce que moun kap di encore, ok? Christina di N, Macphilo di N, Wilfried di N, Sano Yvener di D, ok? Rose Gladys di D, hein? Qui est-ce que moun kap bom yon la? Yon lot moun, on a le, yon lot moun. Yon green moun. Ok, good, let me explain class, bon m'explique li, on suit bien, ok? Bon m'explique li. Pour qu'à ouais exactement sont choisis est-ce que li bon depuis le bon l'aime fin expliquer ou même moi pour li bon, ok, alright, mande pour un green moon seulement un green moon qui manque à beaucoup de gens. Ok, Wilfried Signac dit da, ok, jeune quantité de monde de besoin, good, alright, ok, jeune quantité de monde de besoin, good, ok. Et eh bien ça qui bon la classe c'est Joe likes music, he plays an instrument. He plays an instrument. Pour qui ça c'est an instrument, class? Ok? Pour qui ça c'est an instrument? Est-ce que yon spécifié qui instrument la joué là? Regardez bien, oui. Hein? Parce que nous te dit qui ça? For a specific. Pas bien. Hmm? He plays an instrument. Qui instrument joué là? Yon instrument quelconque? Est-ce qu'on a un glace? Est-ce que nous avons un glace? Hein? Les joueurs qui ça? Yon instrument. Les joueurs yon instrument. Qui instrument joue? Pas de monde qui connaît. Si nous ne connaissons pas la glace, c'est que nous parlons là de yon instrument quelconque. Est-ce que nous avons un? Hein? Si vous comprenez, là, nous parlons de yon instrument quelconque.
Li pa yi notif. Very good, Mark. Très bien, Mark. Eh? Mwen mè sa, eh, Mark. Très bien. Si nou kompren, si nou kompren, fè mwen ti ton zap. Eh? Voye tike, yo sing bienvenu. Eh? Ok, my cousin. Ok, Glass. Si l di la, mes amis, Joe play, likes music. Joe reme music. He plays instrument. Yo pa spesifiye. Yo pa di ki instrument Joe joue ya. Si yon pas dit qui est instrument, à qui article mon affaire là, moi en affaire avec article indéfini. Quels sont les articles indéfinis? Les articles indéfinis sont A et puis in. Est-ce que nous comprenons, Glass? We don't know which instrument he plays. Very good, Christina. Nous pas qu'on qui est instrument, je vais très bien. Ouh, gardez la messe. La télé qu'on lui fait belle moyenne, oui. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, nous prenons parti pour numéro 3. Ok? Nous voulons plusieurs mouns voyer réponse. Ok? Leur voyer, qu'on a m'bral expliquer. Ok? M'bral expliquer. Mais qui raison qui fait, c'est ça pour utiliser. Et puis, on tout comprendre. Ok? Pas besoin de paix. On partage. Nous voulons chaque bon tête moun gagne. Cher, yo partage, hein? On a les classes. On a les pour numéro 3. OK? Nous va aller pour numéro 3 qui très court, OK? Look at, c'est le verbe regarder, OK? Regarder, look at. OK? Look at, regarder. Look at, tipré, see. OK? Look at, tipré, see. OK? Si ça, qui ça veut dire? Il veut dire mer. Mer, ok? Mer d'eau salée. Ça veut dire n'a pas de l'an mer. Ok, classe? Ok? On a les. M'vle tout moun. Ok? Oh, you welcome, Wilson. You are late today. You are late, my friend. On a les. Hein? M'senti quoi bien passé là, hein? M'senti quoi anglais bien passé parce que. Étudiant yo ap travay, même les yo online, yo la kayo, yap travay, ça fait du plaisir. On a les classes. Look at, regardez. Si, tipré, si c'est mer, ok? Non, mais on a le bon plaisir, on comprend belle, si ben, etc. On a les classes. On va envoyer la réponse, hein? Ok? Je vous attendrai en classe. M'attend nous, plusieurs moun mouvle, plusieurs moun, allez. Christina dit réponse qui a correct là c'est de. Wilfried Signac dit de. OK? Mais l'autre monde encore on aller. Fais quoi plus belle mes amis, on réagit hein. OK? Oh, so sorry my teacher, I got you. Très bien my friend. OK, Christina dit de. Wilfried dit de. Matt Philo dit de. On aller, mais deux autres monde encore hein. Mais deux autres monde encore hein parce que m'pas quoi c'est de. Mais deux autres monde pour moi. Qui est-ce qui a aidé me joindre réponse qui au moins appropriée en aller pour moi? Besoin 5 moun au moins, OK pour moi 1 2 3 4. OK, Edwin Sanon dit de. OK, manque un grand monde seulement, manque un seul monde, un seul monde pour réagir hein. OK, manque un seul monde, on aller. OK, gagné Christina, gagné Wilfried Signac. Et puis m'gagne Mark Philo, m'gagne Edwin, OK? Mako green moon glass. On allez. Thank you for the thumbs up. Merci pour thumbs up yo. On allez, après Edwin, you green moon, qui dit? Qui article indéfini m'a utilisé là? Qui article m'a utilisé là? Soit indéfini ou défini, qui article m'a utilisé là? M'jeune quatre, mako green moon seulement hein. Après Edwin, you green moon. On allez. Qui est ce green moon habillé mes amis? On allez. OK, très bien. Yves Sanon dit da. Very good. Good insight. Tout le monde joue ni. Alright. Ok. Tout le monde joue ni. C'est de si. Oui, ça c'est de si. Parce que je ne peux pas parler de yon lan mer comme ça. C'est ça, la classe. Parce que mer, c'est comme on dit ça, Léo. Uncount noun en anglais, c'est des noms que vous ne pouvez pas compter. Ok? Et c'est nous, la classe. Léo, vous ne pouvez pas compter yon nom en anglais. Yo a little count now. Yo a little uncount noun, ladies. That's what I'm glass. Yo a little uncount noun.
En carnet, qui veut dire non que moun pa ka compter. OK? Par exemple, des bon exemple, si m'a parlé de en carnet, si me dit sugar, sugar signifie sucre, c'est cela. Là me dit sugar, m'parle de sucre, OK? Mais est-ce que m'ka dit yo sucre, 5 sucre, 10 sucre, 11 sucre? Non. Si m'pa ka compter sucre, m'a dit sucre c'est en countdown. C'est-à-dire non qui pas capable compter. Est-ce que la anglais? Si m'dit money qui signifie l'argent. Est-ce que m'ka dit 20 l'argent, 15 l'argent? Non. Yo le en countdown. Et bien en countdown, non, juste mettez 2. OK? Good. OK. Very good. Let's continue. OK? Ça question ça tout moun yo joine li, tout moun joine li, OK? Tinek Fanny. Linus, m'attendons nous, man. On va vague, man. She is on a le class. Number 4, numéro 14. She is, ti prin, engineer. OK? She is, ti prin, engineer. On a le. She is, ti prin, engineer. Pas perdre du temps. Tout le monde voyait réponse rapide. On a le. On allait sans perdre du temps, hein? On allait tout le monde voyait réponse rapide. On allait she is ti prin engineer. Qui ça cap là? On allait qui article cap là? On allait class, on allait let's go class. On allait qui article cap là, hein? Bagou moun ki ko répond ni on a les glaces, let's go. Nous pas perdre du temps. Qui article m'a utilisé entre the A et N? Qui est-ce m'a utilisé là pour me dire she is ti prin engineer. On a les qui est-ce m'a utilisé glaces? OK. OK, Edwin ça nous dit N, très bien. Bien content, on a les voyez pour sur rapide plusieurs moun on a les. OK, on allait, m'y attendre 2 4 moun, on allait manquer une et 5 moun toujours aimer qui. Les 5 moun baili pour moi c'est plus moun qui comprendre. OK, on allait. Edwin dit ça nous dit N, François et Christina dit N, Maxilo dit N, Wilfritina dit N. Manquer une, 1 2 3 4. OK, on allait. OK, 4e non. OK, si pas gagne 4e, nous pas perdre trop de temps. An engineer. Ah, me senti, nous gâte à comprendre. OK? Nous gâte à comprendre. Elle n'a pas besoin de me dire rien là, OK, Glass? Nous gâte à comprendre. She is an engineer. Lui, c'est un ingénieur. Hein? Si elle est ingénieur qui ça? Est-ce que là, hein? Elle est ingénieur. Lui, c'est un ingénieur. Je pas dit qui est ingénieur lié. C'est que l'article m'a utilisé là, lui, elle est. Il est un article indéfini. Quand on coûte cher, ou on joue gratis, ou pas envahi pour ça. Et puis quoi, on bien explique encore, ça me là, on allait. On a bien expliqué, on lui détaille pour ça, bah oui. Hein, ça là. Moi, on a qui dit, mon cher, c'est mieux qu'on ne fasse pas pour ça en privé, papa. Ok, Glass. Et puis, il y a un qui vient gratis, on allait. Number 5. I watched. OK, on allait tout préparer pour ça. Tout préparer pour ça, bala goumé. Très bien Maxilo, OK, tout le monde qui te dit junior. Tout le monde qui voit le tout junior parce que tout le monde ça te dit N. On allait pour numéro 5 là. I watched the video you had sent to me. Tenez bien. I watch the, okay? Video you had sent to me. Est-ce que regardez? M'gade vidéo que ou te voye bon mouè. Est-ce que là? Vidéo te voye bon mouè, mouè te gade l. Okay? Est-ce que là, hein? Vidéo te voye bon mouè, mouè te gade l. M'gade deux moun qui getan allé là. On allé classe. On allait, nous pas perdre du temps parce que c'est 15 numéros. Mais nous dans 6, mais nous dans 5 toujours. On allait, let's go. I watched the ti prin video you had
sent to me, ok? Sent, c'est le verbe envoyer. Verbe là, c'est to send, ok? Là, le conjugué au participe passé, ok? On a l'air, ok? Christina dit de, Macphilo dit de, ok? Nous pas perdu trop de temps parce que nous dit tout le monde répond. Depuis nous, nous avons numéro 1, tout vous répondre. Très bien, Christina et Macphilo. Très bien. Pour qui ça c'est de? Ok? Je toujours expliquer aux raisons. Hein? Ok? D'une façon pour qu'elle comprenne bien, je tout expliquer aux raisons. Hein? Raison en classe, c'est parce que I watched the qui vidéo, moi te gade ya, vidéo te voye ban mouen. Est-ce que nous l'en classe? Qui vidéo m'te gade ya, vidéo ou te voye ban mouen. Est-ce que le pas spécifié là? Hein? Il dit, est-ce que tu regardes des vidéos de voir bah ouais, mon cher, moi tu regardes des vidéos de voir bah moi. C'est que vidéo n'a pas parlé à là ni moi ni ou même nous connaît là il spécifié très bien classe. Very good. Ah, good job. Merci Zomim qui dit teacher Cloris, moi ouais, on fait bel travail. Thank you very much. Merci beaucoup, OK? On continue, classe. OK? Très bien. Parce que vidéo, c'est... Mon vidéo, ça, moi, c'est vidéo de vous et moi. C'est qu'il spécifie. Hein? On allait très rapidement. Dans numéro 6. OK? Préparez-vous. Peter. Boy. Tifré. New car. OK? Peter. Boy. Tipré, new car, ok? New car, boy, c'est le verbe acheter, ok? Verbe là, c'est to buy, ok? Là, il conjugué là au passé, on allait. You boy, tipré, new car, ok? New car, on allait classe. On allait. Let's go, classe. On allait. Let's go. Voyez réponse. Envahis ma réponse, classe. OK? Numéro 6. Faut écrire numéro 1 pour moi. Numéro 6, classe. Numéro 6. Edwin, Sano, Macphilo. On allait. OK? Numéro 6. Yvner dit A. Wilfried Signac dit D. OK, qui l'autre mon encore? OK, Wilfried Signac dit da, OK? Qui est-ce encore? Let's go, class. Let's go. Wilfried Signac dit a, OK? Wilfried Signac dit a, Sano Yvner dit a, OK? Qui est-ce l'autre monde encore? OK, numéro 6, Luis Ness, my friend, dit c'est A, OK? Let's continue. Qui est-ce encore? Let's go, class, let's go, OK? All right, bon. Là, classe, j'ai un petit coup d'œil pour faire là, ok? Là, attendez. Là, j'ai un adjectif, ok? Normally, classe, j'ai new, qui signifie neuf. Parce que vous parlez de car, il signifie neuf. Voiture, neuf, ok? Il a parlé là de une voiture, neuf. Ok, classe? Let me see, classe. New car, il dit m'acheter machine neuf. Est-ce que mon cas dit qui machine acheter là, hein?
Hein? Non! Plus que m'paka di ki machine neuf l'acheter à classe, eh bien là, m'a gagné a new car. Ok? Peter bought a new car. Ok? Peter acheté une nouvelle voiture. Ok? Peter bought a new car. Ok? You understand, class? You understand? Ok? Very good. Remember that English is very important all around the world. Songez anglais important tout côté dans monde là, OK? Pour faire achat dans tout pays où tu entends parler toute quantité de langue qui existe yo, de vous parler anglais ou acheter yeux fermés, OK? On a les classes pour numéro 7. Numéro 7 classe. Mary is nice girl. Mary is nice girl. Okay? Let's continue, class. Mary, nice girl. Okay? Numéro 6, la presque tout le monde venu mettre. Wilfried, Louis Ness, Michael Toussaint. Bienvenue, Michael. Signac, etc. Christina, vous n'avez pas pris la télé. On a les good. Numéro 7. Mary is nice girl. You jolie fille. Okay? Let's continue, class. What I have to choose? Which article I have to choose here? Quel article m'a choisi là? Okay? Maxilo dit de. Christina dit a. Tout le monde sait qui l'a embarqué. Nous sommes 5 monde qui vont répondre là rapide. Envoie-moi la réponse, class. Rapidly. Okay? Ok, Wilfried Signac 17, là c'est 2. Ok? On a une notion, classe. Une notion, hein? Pas oublier, classe. L'emdi, attendez bien. L'emdi, nice girl. Girl, c'est fille, pas vrai? Nice. Nice est un adjectif. Attendez bien. Normalement, qui ça m'a dit, classe? Ok? Plus que anglais, pas parler mot à mot. Ok? C'est ça que je m'a dit. She is a girl nice. Est-ce que nous l'avons anglais? She is a girl nice. Plus que anglais pas traduit mot à mot, qui ça vient arrivé? Adjectif là. Article vient devant adjectif là. Mais normalement, article c'est pour girl lié. Ok? Mais depuis que j'utilise adjectif ça qui qualifie, qui dit qui est ce monde là, qui parle de qualité monde là. Article m'a utilisé en anglais à lire le article indéfini. Ok, glace? C'est que là, m'a dit she is a nice girl. Est-ce que là, glace? She is a nice girl. Ok, she is a nice girl. Ok, good. Tout le sujet quoi, c'est 8h-9h du lundi au vendredi. Malbranche on the air live Facebook. Ok? On a le très bien, mon qui te dit de yo perdu. De pour adjectif sa yo qui qualifie, qui sa bagay lan yé. Et bien, adjectif, article m'a utilisé, c'est article indéfini. Ce soit A ou bien N. Ok, Gléa, c'est ça pour suivre. Ça son tiré que vous devez surveiller, ok? Son tiré que vous devez surveiller. On a le. Carlo fixed. Ok? Qu'on est fixed, c'est le verbe fixer, arranger. Ok? Le verbe là, c'est to fix like this. Ok? To fix qui signifie arranger. Ok, glace? Dit to fix signifie arranger. Je dis là, Carlo fixed, car. So we can go to the party. Ok? Qui ça dit là? Carlo te range machine. Mon cher, kounya nou kal nan fèt la. OK? Tenez bien glace. Carlo fixed the car. Oh my god, Carlo fixed your car. Oh non non non. Manke m'trompe pas et OK? Good. Carlo fixed ti pre car. So we can go to the party. Est-ce la glace? On allez. Tout le monde rapidement, hein? Réponse correcte, hein? It's a fault. Thank you. Thank you. OK? Numéro 8, là, Christina dit de. Mark Philo dit de.
Likenson Desam, Zamim. Pam, bon travail, qu'on y a moins monté sur Facebook là. Thank you very much, Desam. A fait pam, attendons, non, man. You okay? Alright. N'a pas fait quelques jours, man. Faut suivre pour moi, mais nous belles pour anglais comme ça, hein. On a les classes. Carlo Fakes, ton petit prêt, Corey. Carlo, t'es rangé machine, non? So we can go to the party. Carlo, t'es rangé machine, non, oui? Nous, Carlo, fête la gounia. On a les classes. Christina Dida, Macphilo Dida, Wilfried Sinia Dida. Eh bien, plus que tout le monde qui dit da, eh bien, on regarde Carlo Fakes, the Corey. Est-ce que m'pa wè de ki machine y a parlé là? Plus que là yo dit machine de koun ya nou capable al en fait là. Plus que nous capable al en fait là, c'est que nous connaît de ki machine n'a parlé là. Est-ce que nous la classe? Plus que nous prêt pour aller en fait nous capable aller en fait là koun ya, c'est que nous connaît de ki machine nou t'a parlé. Plus que nous connaît de ki machine n'a parlé, eh bien article n'a utilisé en anglais a lié article défini de. Very good. Très bien ça, on partage. Fais-moi chaque bon tête monde qu'on partage mes amis. On a bon bagage ça, pas quitter monde tout partager. C'est pour monter c'est tout la gueule. OK? Let's continue the class. Quand on dit Carlo fakes the car, on dit Carlo a arrangé la voiture. So, alors we can go. Alors nous allons aller au fait. OK? Puisque la voiture est déjà réparée, nous sommes prêts à aller au fait. OK, Glass? Let's continue. Now, we have number 10. Numéro 10. On allait. OK? Parce que yo précisé, yo konj. Exact. Très bien, Marc. Yo konj de ki machine ya parlé. Si yo di koun ya nou kal en fait là. Très bien, Marc. Marc, la intelligence, je l'avais de m'expliquer tout. Thank you very much, my friend. On a le numéro 10 la glace. Number 10. Who is tipre lady in this picture? Okay? Who is lady in this picture? Ça dit là. Il dit, qui est dame ça qui n'a photo? C'est dans la glace. Who is lady in this picture. OK? C'est une très belle cour nous animé chaque soir du lundi au vendredi 8h 9h. On cour n'est pas raté, très belle cour, belle explication et comme si dans classe l'entrée, ou apprend anglais sans camper. On a les classes. Who is tipre lady in this picture. Ou tout une phrase hein. Qui ça dit là? Qui est dame ça qui dans photo là? Hein? Who is lady in this picture? Okay, on a les, rapidly glass. On a les 10 là. On a les, Signia Dida, Macphilo Dida, Wilfried Signia Dida. Qui est-ce encore? Qui est-ce encore? Hein? Qui article m'a pu utiliser là? Hein, glass. Okay, qui article? On a les, est-ce que pas gagné l'autre monde encore? Pas gagné l'autre monde encore qui a bon article là? Hein? Très rapide, est-ce que pas gagné l'autre monde encore? Hein? Okay, Wilfried Signia Dida. Macphilo dit de. Yon l'autre monde qui manque seulement. Yon moun seulement classe qui manque. Who is tipre lady in this picture? Ok? Au bout de l'abdim, lady and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on allait. Ok? Lady, hein? Hein? Il dit, qui est dame ça qui nan photo? Hein? Who is lady in this picture? Ok? On allait. Berto, Gaston, ah, ou la ge koua net, man. Robinson Joseph dit de, Gaston dit de, Wilfried Signac dit de, Mark Philo dit de. My God, everybody knows how to use articles in English. Good job, congratulations. You are ready to learn English. You have to keep on. Very good. Ou capable d'étudier anglais. Continuez, très bien, classe. Plus que la classe, qui s'arrive? Ça c'est photo à qui l'en met, moi m'a regardé. Pendant m'a regardé photo avec vous, et puis me dit, qui est ce dame ça qui dans photo? Est-ce que la classe? Ça veut dire, ni moi même, ni vous même,
connaît de qui dame n'a parlé. Plus que nous connaît de qui dame n'a parlé, article n'a utilisé en anglais, c'est article défini, ok? Si nous pas connaît dame n'a parlé, nous avons utilisé article indéfini qui c'est AN. Plus que nous connaît dame n'a parlé de l'IA, nous avons utilisé article défini. Très bien, classe. C'est da, ok? Who is the lady in the picture? Okay? Qui est fille ça qui dans photo là? Oh, very good. Congratulations. Gaston, ou pas être en belle réponse, hein? Bien qu'on pas sur pour amen. You are now my friend. Okay? On a les classes. Number 11. Numéro 11. Mets-toi prêt. We have Tibre, smaller house in Tibre, village, ok? Nous gagnons yon ti maison, yon ti kay nan village, ok? We have, nous avons petite maison dans village. On allez glace rapidement, hein? On fait chaque bon tête moun gen yon partage, non, mes amis. On fait arriver 30 moun, hein? We have, ok? Tibre, small house, ok? Bon, gade combien moun ki getan répond? 11. Ok, Christina dit A. Christina, ou bon de la? C'est yon pou bon moun, hein? Ou bon de? M'm confuse. Ok, Mark Philo dit de. Et Gaston partage. Et pour ça, les moun nan pare tout tout, et bon tête li, marqué partage. Good job, my friend, my brother. How are you doing? You fine? Good. Numéro 11, Mark dit A. Gaston dit da, ok? Ok, Gaston te répondre bien en l'air là, Gaston commence, il dit da, ok? Robinson Joseph dit da, ok? Christina dit A ou bien da, ni pas qu'à deux, Christina c'est une boulier, ok? Bertoni dit we have, ok, good, alright, et puis Gaston dit in da, alright, good, let's continue class. Hein? On pas perdre trop de temps là-dedans. OK, on fait arriver 30. On lever défi ça, hein. On lever défi à classe. On lever défi, on allez. We have très bien a small. So j'aime dire ça. Debout est adjectif yo vini avant. OK? Debout est adjectif yo, debout est article suivi d'un adjectif, OK? Qualificatif. OK, classe, hein? C'est un bel coco ça, hein. Fait arriver 30, arriver 9, manquer une, on allez. We have a small house. Nous avons une petite maison. Ok? In. Ok? On a les classes. Qu'est-ce que ça dit là? Le dit nous gagnons un petit kay. Qui compte nous gagnons un petit kay là? Dans le village. Ok? Et bien, qui ça l'a bien la classe? Gasson perdit le ciel, non? Ah, ok. Christina, m'te comprenne ce faire. M'comprenne, Gounia. Ou tout bail tout de réponse yo. Et puis de. Non. Ok? Gizi, moi gagné, ok? J'ai une petite maison dans un village, ok? Li pa di dans qui village, m'ap ka utiliser dans, my friend. Li di non, village, qui village lié? Hein? Li pa spécifié qui village lié, hein? We have a small house in a village, ok? Hein? Nous avons une petite maison dans un village, hein? Où se situe la petite maison? Dans un village. La petite maison se situe dans un village. Bien de Saint-Glace. Merci, good job. Nous faisons arriver 33. Très bien. Merci, hein, nous avons gagné. Très bien. Hein, nous avons gagné. Tant de classes. Nous allons utiliser de. Ok? Il faut qu'il y ait exactement une petite précision. Ok, Glace? Hein, qu'il en a utilisé « hey » en général, c'est pour parler de quelque chose, d'une chose quelconque. Vous parlez d'un bail quelconque, ok? Yon village, alright? Yon village, hein, comme un village ça relève, par contre non, yon village, yon kay, ok? Ok, Glass, we have a small house in a village. Good. Number 12, numéro 12. On répond rapide. Merci pour moun qui partage yo. Qui fait nous arriver à 30 moun jodi an? C'est un gros défi parce que n'a fait quoi quelques jours. Moun yo pas tellement intéressé avec l'anglais, vous comprendre? Yo plus sou belle l'autre activité. I think Tibre main over there is very ill, okay? Moi pense
Monsieur qui là-bas, over there, là-bas, li malade en pile. C'est la glace. I think, petit point, main over there, is very ill. Ça dit là, moi pense, monsieur qui là-bas, li malade en pile. Ok, on a la glace. I think, petit point, main over there, is very ill. Moi pense, monsieur là-bas, li malade en pile. On a les classes. Réponse. Oh, thank you, TikTok. Thank you very much. Okay, it's an English class. We have every day from 8 to 9 p.m. through Facebook. It is a very good job. What you have to do is try to follow Malebranche on the air on Facebook just to follow the class. I am going to get this class on TikTok. Okay, I'm going to do my best to teach my Haitian young Haitian people how to speak English, okay? I got this opportunity. I have to share it with you. Thanks for following directly from TikTok. Thank you. Share your life. I am available to help you speak English, okay? All right. Okay, glass. On allez, m'ta foti parler parce que m'gayou TikTok man. M'te mwen sur TikTok la m'blie l mon Facebook yo prend mwen. OK? Let's go class. On allez, hein? 12 là. Christina dit da, OK? La réponse correcte c'est da. Bertoni dit da. Bertoni est tellement intelligent lui-même. M'pon non va pas. Maxilo dit da. Tirisha dit da. Ouija Jodi da. Congratulations, everybody wins the game. Tout le monde a gagné. Très bien. Domain. Ok? Pour que ça c'est domain, attendez bien. On nous suspend utiliser réseaux sociaux pour nous garder des bails qui pas permettent en rester dans tête nous. Vous comprenez ce que je conseille? Qui pas permettent en rester dans tête nous. Juste garder pour plaisir. Après ça, et puis pas gagner, nous recevoir comme un message. Essayez de comprendre. Mwen vini comme un jeune révolutionnaire dans ce ça qui dit on partager connaissance nous gagne plutôt aux jeunes. Est-ce que vous comprendre? C'est dans l'idée ça qui fait me mettre disponible, m'a parler, vous comprendre, m'prend internet, m'paye internet, vous comprendre, m'a paye bill pour ça, vous comprendre pour m'ba ou le free. Ou même qui soit que vous faire comme jeune, corré jeune pareil you. Vous comprendre? Gardez un bagage qui a permettre gagne un bagage qui est dans tête qui va servir demain. OK? Si n'a coûté plaisir internet, nous pas mettre en rien en tête là qui pas bon du tout. OK? Very good. I have the man. I think the man. Qui ça le fait là? Bien content tout le monde comprendre, OK? Tout le monde comprendre, mais féliciter nous parce que quand ouais là il dit moi penser monsieur qui là-bas, c'est que lui préciser. De qui monsieur l'a parlé? Monsieur qui là-bas, lui malade en pile. C'est que moi même qui a parlé là ou même qui la capture moi hein, ou getan wè de ki moun ke m'a parlé. De qui est-ce m'a parlé là? Monsieur qui malade là-bas. Est-ce que la glace? Hein? I am talking about the man that is very sick over there. Est-ce que la glace? M'a parlé de moun qui malade là-bas. Plus que m'a parlé de moun qui malade là-bas, eh bien qui article m'a utilisé là parce que m'gon cas spécifique. M'a utilisé article défini. C'est ça là hein. Le code classique pas détail ba yo ba ou jwenn m'a détail là non. C'est ça là hein. En cours spécial on prend là hein. Et dans université English là et là. OK class, let's continue. Number 13. Neurotism. Do you want to go to? Tipré. Restaurant. Where we met. OK? Ici class, on a le verbe meet. On a le verbe meet, OK? Le verbe meet qui signifie rencontrer, OK? Happy to meet you, content de vous rencontrer. OK class? Meet c'est le verbe rencontrer. Ici on a utilisé le passé du verbe rencontrer en anglais et meet est aussi le participe passé du verbe meet en anglais. Hein? Est-ce que vous comprenez Cléas? OK? On a utilisé le verbe meet au passé de l'indicatif, hein? Ici on parle de temps simple. OK Cléas?
do you want to go to? Est-ce que vous voulez aller dans un restaurant? Where we met? Là où nous avons rencontré. Est-ce que là, hein? Est-ce qu'on voulait aller dans un restaurant quand nous t'ai rencontré? Est-ce que là, Glass? Do you want to go to, petit près, restaurant where we met? Ok? Where we met, c'est là où l'on rencontré. Ok? Là où l'on où nous avons été rencontré. Est-ce que là, Glass? Est-ce que, do you want to go to the restaurant where we have met? On allait, bon, moi, garçon. Garçon! Mais c'est! Garçon, faut là, il faut me faire exercice, man. Mon pire, mon exercice, parce que moi. Let's go, class. Christina dit da. Garçon, ghetto dit da. Macfilo dit da. Monsieur, étudiez-moi à frapper, oui, là. Fais lui 40, mon nom, 35, là. Fais lui 40 rapide, non, là. Hein? Good job. Ti Richard dit dan. Eh bien, mes amis, si tout le monde sa le dit dan, m'a ka changer le nom. C'est ça le rayé, hein? C'est dan. Very good class. C'est dan pour lié. Ok? Very good job, class. C'est dan. Pour qui ça le dit là? Le dit, est-ce qu'on pas prêt à aller dans le restaurant côté nous te rencontrer là? Hein? De qui restaurant la parle là? Restaurant où? Nous avons été rencontrés. Est-ce que nous avons la classe? Ici, on a un cas spécifique. Puisqu'on a un cas spécifique, on doit utiliser quel article? On doit utiliser l'article défini. Do you understand? Quoi bien passé là? Nous sommes dit quoi bien passé? Et puis, étudiant, yon a bien pour un bagage là. Marc Philo dit, nous gagnons précision, nous a dit. Aïe, aïe, aïe. Hein? Hein? Très bien ça, hein, man. Très bien. Hein? Nous bien préciser là, hein? Très bien. Très bien, Lukinson. Hein? Ça qu'a fait, Lukinson. Très bien, man. Good job, hein. Good job, hein. C'est que là, classe, nous, ouais. Ok, c'est que là, nous, ouais. Restaurant qui m'a parlé à là. Restaurant me dit, est-ce qu'on t'a aimé aller à? C'est restaurant qu'on t'aime rencontrer à. C'est que nous tous les deux, nous connaissons un restaurant. Son restaurant que nous tous les deux connaissons. Ok? Puisque nous tous les deux connaissons le restaurant, eh bien, c'est da que m'a utilisé. Très bien, classe, très bien, très bien. On allait pour numéro 14 là. On allait, on est vérifié, on est vérifié, non? I am crazy about reading. Ok? Attendez. très bien, nous presque arrivé. Hein? I am crazy about reading. Tipré, historic books. Ok? Suis bien? On suit bien. Attendez, m'a tout bon petit poule là. Là, bon piège. Ok? Là, gagne un piège. Là, m'tap dit en anglais, class. Be careful. Be careful. Attendez, sois prudent. There is a trap here. There is a trap. Il y a une piège dans cette question. Il y a une piège dans le numéro 14. Ok, classe? Il faut bien regarder avant de répondre. Ok? Il faut bien regarder, classe. Be careful, sois prudent. Ok? There is a trap here. Ok? Gagne un petit piège. M'vire avec petit piège ça. C'est pour moi. Si m'gagne un monde qui est intelligent à suivre là. Hein? On a le classe. Démarrer. Ok, good. Pour nous carré tableau, good. Numéro 14, bon démarrer là. Hein? I am crazy about reading tipré historic books. Bon, on tire comme là. I am crazy about reading historic books. Ok? I am crazy about reading historic books. Ok? You understand? On a le bon mot qui est si ouet. On est bien? Ndi, there is a trap. Il y a une piège. Il y a une piège là. Ok, classe? I am crazy about reading. Ah, moi même si j'ai un problème avec question li, pile livre historique ça yo. Ok? On est bien? I am crazy about reading historic books.
OK? Ti petit vraiment moi combien moun ki t'a dit là? Non, numéro 14 là. Hein? Gen moun ki dit A. OK, gen moun ki dit A. OK, Christina dit D. Dili, je vois bienvenue. Vous êtes bienvenue ma fille. OK, good. Cher. OK? I am crazy. Ça son piège lié. OK, on va quitter nous perdre du top temps là-dedans. Ça son piège. Là pas besoin de petit prêt, OK? Suis bien classe. Là pas besoin de petit prêt pour mettre ni de ni pour mettre pièce article. Tenez bien. Pour qui ça? Tenez bien, classe, fait tes ou be careful. Sois prudent, garde numéro à bien. Parce que me dit there is a trap, il y a une piège, il y a une piège. Bon moi tire pour montrer. Suis bien. Faut mettre un petit piège pour me permettre de comprendre. Les yeux ne paraissent comme ça sous n'importe forme. Pour que tu dis, ah non, ça n'a pas qu'à passer. OK? On y a des classes. Qu'est-ce qu'on avec la classe? Là, je gagne un bec. Je gagne un bec. Pas avec la classe. Je gagne une classe. De bec. OK? Ou bien la classe, je dis un bec. Like this, un bec. Est-ce qu'on a une classe? Kounya, si m vin la glas, mwen tire artik yo. Ni artik defini, ni artik indefini. E pi m vin la m di, books. E so la en glas. Kounya, ki so we la? Le yo di historic book. Ki es ki chef artik lo la glas? Moun ki met artik lo la glas, li taprele, book la, liv la. E se non la en glas. Parce que histoire c'est dans livre là yo. Là on dit historic book, c'est livre yo, c'est des livre yo qui pral mande pour article. Est-ce que nous la classe? Kounya si book pa gen S. Est-ce que là je suis bien? Suis bien. OK. All right. Est-ce que là je suis bien classe? Si book pa gen S là-dedans. OK? S'il pa gen S là-dedans, on pral di a historic book. Parce que un pral dit un book. Est-ce que nous l'avons classe? Tenez bien, suis bien. Plus que vous venez dans un book, mettez S. Plus que vous mettez S dans un book, et bien vous venez là, vous pouvez utiliser article. OK, classe? Parce que books déjà au pluriel, c'est que l'algue signifie les livres. Do you understand, classe? Do you understand? Bon, faut tirer quel encore. Suis bien classe. Si m'vin la mettre petit prêt. OK? Plus que yo dit historic book, si m'ta parler anglais à l'envers, m'ta dit I am talking about book historic. Est-ce ouais? I am talking about book historic. Ça veut dire m'ta dit m'a parler de livre historique. M'ta mettre le mot à mot. Mais plus que anglais pas parler mot à mot, c'est ça que je viens de nous dire historic book. OK? Historic book. Kounya si m'gen S la classe, c'est que là on déjà parlé de plusieurs livres. Plusieurs livres historiques. Et ça là, c'est l'adjectif. Plusieurs livres historiques. Si kounya m pa gen S la, ou m retire S la, si m retire S la, kounya m ka di a ou bien in. Est-ce que la classe? Mais plus que la gui S, m'a besoin de dire encore, m'tou quitter le conseil. Ou bien déjà? I am crazy about historic books. Books, get a team que m'tou allégué, les livres. Très bien, m'pense que vous comprenez, c'est ton petit piège que m'de mette, pour m'de kaboy une petite explication, qui t'a pral permettre de comprendre bien facile. Hein? Yes, I am understand. C'est Duke Cooking dit, bienvenue, hein? Bienvenue. Toujours passer sous page Marie Brochon dit air, pas ça ouais nous la donne. Ba li un petit like, partager avec amis pour nous grandir famille. On aller pour dernier numéro, OK? Are you coming to petit frère party next Friday? Are you coming to petit frère party next Friday? Hein? On a le glace. On dit ça là. Est-ce
est-ce que vous venez dans la fête là vendredi prochain? Ok? Je vais vous dire combien de monde qui a joué ça rapide. On a les classes, réponse directe, numéro 15. Ok? Christina Dida. Dick Pendy Dida. Tirisha Dida. Ok? Qui est-ce que vous encore? Qui est-ce que vous avez joué? Plus que mesdames, j'ai 5 mounes. Matt Philo Dida. Dick Pendy Dida, on m'a dit. The Party, du Kendi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Je vais jouer 5 personnes. Je vais 5 personnes qui dit da, ok? The Party. Pour qui ça c'est The Party class? Si je dis, are you coming to the party next Friday? C'est que là, je parle de une fête. Pas vrai? Si je dis, est-ce que vous venez dans fête la vendredi? C'est que. Je te parle de fête là déjà. Est-ce que c'est la glace? Je te parle de fête là déjà. Et puis là, je voulais assurer que vous avez venu dans la fête là. C'est que c'est une fête, ni moi ni vous-même, nous parlons de lui déjà. Nous connaissons de qui fête n'a parlé. Est-ce que c'est la glace? Hein? Puisque nous connaissons de qui fête n'a parlé, et bien qui ça nous fait glace? Nous dit The Party. Are you coming to the party next Friday? Next Friday, qui c'est vendredi prochain. Est-ce que c'est dans la glace? Très bien, Lukinson, garçon pour nous, mais intelligent, pas de paquet en well. Papa, well, papa. Are you coming to the party next Friday? Si moi, contre là, Nzou, are you coming to my party next Friday? C'est que, m'te que t'en parle, on de fête là. M'te dit, mon cher, m'gon fête qu'a fête vendredi, et puis qu'on y a moi, contre avant encore, et puis m'dou, are you coming to the party next Friday? Et puis, m'dou, est-ce que vous venez dans la fête la vendredi prochain? Vous voyez? Là, je voulais assurer que vous venez, mais c'est un fait que nous avons déjà parlé de lui. C'est que ni moi-même, ni vous-même, nous connaissons de qui fait nous t'a parlé. Oh my God! Alright! Je félicite tout le monde qui a fait une belle réaction avec moi. Dans l'exercice là surtout, c'était incroyable. C'était incroyable. Are you okay, TikTok? Are you okay? Are you following the class? It is very important to follow. It's very important, class. Try to speak English. Learn. Okay, good. Okay, class. Okay. I am very happy. Very happy because I have some friends, some neighbors, some... All right, good. Tell me, next exercises. Next exercises. C'est dur que c'est à toi la mode exercice. Hein? C'est dur que... Mais ça va faire. Toujours songez que ça, c'est 8h, 9h. Passez sous page là. Vous comprenez? À suivre page là. Là, vous montez online pour que j'ai une petite notification qui dit que cours anglais a monté. OK? Parce que de nos jours, je me dis, hein, nous faisons chita, nous faisons réfléchir, nous disons que nous chita là et puis nous avons un bagage en dame. Est-ce que vous comprenez? Dis, est-ce que le pas important pour me créer une façon comme bon Dieu bon opportunité là pour me partager au moins ça me connaît avec surtout jeunes yo, vous comprenez? On éviter on nous râler jeunes yo dans des bails positifs parce que réseaux sociaux yo yo détruit la jeunesse. On goûte pour nous construire dire de Saint-Glace. Hein? We can you can make effort for the young people because right now class things are very hard. You understand? Social media are a wow problem, okay? It's for the reason I am here tonight to help my friends, my brothers, my neighbors, you understand, to learn English with me through Facebook on the air. Okay, class? Quoi ton jeu? C'est du lundi au vendredi. Ok. Huit heures. Neuf heures. Lundi. Au vendredi. Ok. Au bout de nos pages là déjà, qui c'est? Malebranche. On. The. Air. Ça, c'est nos pages là, sur Facebook. Ok.
C'est Malebranche on the air. Moi invité au passé, invité amis, invité Thank Bro for your help. Okay, no problem, don't mention it. Thank you because you take your time to follow my branch on the air. Merci le fait que vous prenez temps pour suivre ça en direct. C'était incroyable. Merci d'avoir réagi. Merci d'avoir m'aidé à résoudre les exercices ensemble. Merci d'avoir passé un moment merveilleux avec moi. C'était un plaisir, comme je vous l'ai dit tantôt. Merci d'être avec moi ce soir. On verra demain, ok? Après-demain, pour le même rendez-vous, qui c'est 8h, 9h. N'a vu avec un si bel coup pour vous, même j'ai avec vous ça, que vous pourrez apprécier, côté que nous pourrons le faire pratique en anglais. Ok? Tomorrow we are going to practice. Nous pourrons le pratiquer, attendez. Préparez-nous. Nous allons pratiquer avec vous sur toutes les effets. Have, adjectif possessif, adjectif que nous avons déjà vu, tout ça. Nous allons faire tout ça en pratique. Demain, si je veux, 8h, 9h, 15. Parce que là, nous faisons pratique, nous allons finir à 15. Merci le fait que tu as suivi nous. Have a very good. Ok. Bye bye.